La querelle se poursuit entre le Royaume-Uni et la Russie quant à l'enquête menée suite à l'assassinat d'un ancien agent du KGB à Londres en 2006. Moscou a déclaré que l'enquête du Royaume-Uni était politiquement motivée et a réfuté la revendication centrale selon laquelle le président Poutine aurait probablement approuvé le meurtre de l'ancien agent du KGB Alexander Livienko. À la fin, toutes nos hypothèses ont été totalement confirmées. La procédure n'a pas été transparente, a été cachée, classifiée et bien sûr hautement politisée. Lidienko, un ancien espion, a été empoisonné alors qu'il buvait du thé vert lors d'une réunion avec un ancien agent du KGB, Andrei Lugovoy, et de l'homme d'affaires, Dmitri Kovtun, dans un hôtel de Londres en novembre 2006. Les deux hommes sont les principaux suspects, mais la Russie a refusé de les extrader vers la Grande-Bretagne pour être entendue par la justice. Il n'y a eu aucune enquête publique. Tout ce qui a été dit par les médias se référant à une audition publique et ouverte est un mensonge. Un mensonge outrageux. Et je ne trouve aucun mot pour le décrire. La conclusion du rapport que le président russe Vladimir Poutine a approuvé l'assassinat est largement basée sur des preuves circonstancielles, ainsi que la querelle de longue date entre Poutine et Litvinenko, une des voix les plus critiques à l'égard du Kremlin. Et certains analystes conviennent que beaucoup d'éléments convergent vers le Kremlin. Depuis le tout début, il est évident qu'il y a eu une opération interdépartementale qui nécessitait absolument la coordination et l'approbation du Kremlin. Donc cela signifie qu'il apparaît que les Britanniques tiennent là leur dossier. Mais actuellement, rien ne se passera, car il n'y a pas de répercussions légales évidentes. Le Kremlin indique que les éléments de cette enquête pourraient empoisonner les relations entre Moscou et Londres. La question est désormais de savoir où est-ce que cela va mener et si la Grande-Bretagne parviendra à présenter les responsables devant la justice.